Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur GTA. Donc on va faire une nouvelle vidéo avec une petite course donc de street racing avec la 86. Ensuite on va faire notre parcours habituel, donc on va visiter quelques garages que je possède pour voir les autres véhicules qu'on n'avait pas vu la dernière fois. Et ensuite on finira cette session au casino comme j'ai l'habitude de faire en faisant en fait des nouvelles tentatives sur différents jeux du casino. Voilà, donc on va commencer d'abord par faire une course de street racing. Donc d'abord je vais refaire l'astuce pour augmenter la popularité de la boîte de nuit. Donc comme vous savez, pour pouvoir augmenter la popularité, il faut changer de DJ à chaque fois. Donc c'est important de le faire puisque ça vous permet de rester à 5 carrés de popularité sans faire les missions dans la ville en vous exposant aux autres joueurs. Donc moi je fais toujours en sorte que la popularité soit au maximum. Donc pour ça, dès que ça atteint 4 carrés, donc je change de DJ. Et ce coup je prends Black Madonna. C'est bien qu'ils aient mis à jour la boîte de nuit, puisqu'avant les fumigènes ça sortait une fois tous les 10 000 ans, maintenant ça sort un peu plus souvent. Et le prix que ça coûte, c'est bien qu'ils aient fait. Ça serait vraiment presque équivalent à Need for Speed Underground 2, qui a des meilleurs jeux de voitures de tuning qui existent. Mais surtout que les voitures qu'on utilise sont des voitures récentes, donc c'est vraiment cool. Et en plus le NOS il existe dans le jeu pour certains véhicules mais pas pour tous. Donc là je vais prendre la Formule 1 pour m'y rendre. C'est vrai que la Formule 1 c'est une des meilleures voitures au niveau maniabilité. Peut-être pas au niveau vitesse de pointe, mais elle est équipée d'un os justement, et en vue intérieure c'est celle qui est la plus réaliste, surtout la celle qui donne le plus de sensations comparé aux autres véhicules. Donc alors là je vais choisir RS. Hello.
Thank you.
Sasquatch feet. Clean that meat, heartbeat sound like Sasquatch. Alors, donc nous voici dans le garage de la banque, en fait, garage de fonction. Je crois que ce garage peut avoir 3 étages supplémentaires. Là, tel qu'il est, il a 3 étages déjà, mais je peux débloquer encore 6 autres étages pour avoir au total la possibilité de stocker 60 voitures. Celle-ci, je vais customiser dernièrement. Il y avait des réductions sur les mini. Celle-là, c'est une des voitures qui était la plus rapide de nos seul car, mais les mains, c'est la plus chalo, maintenant c'est la plus rapide. Donc à chaque fois, il y a une plus rapide. Et ça, c'est une idée que je vais essayer de récupérer. Mais je vais prendre la version normale. Ici, c'est les outils de base.
of store is open. Come dress like you deserve success. Someone who's not afraid to be a witch. The table's all yours, sir. Get those bets in. Betting is closed. Good luck. Bets, please. Feeling like another go? All right, bets in now. All bets are in. Let's get this started. Get those bets in. You made a... Ahora ya había subido la marea. Well, thanks for playing. Another dare. Five habaneros and then make out with the fattest guy in here.
bienvenue dans la deuxième partie de cette vidéo. Alors j'ai fait donc des captures où j'ai eu un problème de micro, donc là j'ai refait les réglages et c'était pendant en fait la présentation de quelques voitures dans certains garages, donc je vais vous mettre en accéléré donc ces parties là parce que je vais pas tout recommencer quand même, et aussi la partie dans le casino. Et donc la partie dans le casino, effectivement, elle a été coupée, mais la partie enregistrée, donc c'était une partie où je me disais en fait que je faisais une partie assez rapidement en misant pas mal et donc en essayant de remporter au bout de deux ou trois parties. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc vous avez la vidéo. Donc là, vu que en fait on m'entendait pas quand je faisais la partie, donc là je vais retourner au casino juste pour refaire cette partie, mais au lieu d'aller donc sur l'étape VIP pour changer, donc et pour faire un plus, donc j'irai directement dans la table de casino qui est dans la suite. Donc il y a une suite aussi, donc c'est la première fois qu'on va aller dans la suite par rapport aux autres vidéos que j'avais faites avant. Donc on y va, on va pas perdre de temps. Allez hop. On va prendre la F40 pour y aller, pour changer. C'est vrai aussi que j'avais fait la partie dans le garage custom où certainement il n'y a pas le son, et donc c'est pas grave, je vais quand même vous mettre la vidéo. Mais en fait je disais tout simplement que la plupart de mes parties, c'est un simple circuit, c'est à dire que je m'occupe des voitures qu'il y a à revendre, que les clients, en fait il y a souvent deux voitures à livrer, donc il y en a une que je laisse en fait donc à l'autre mécano, et ensuite l'autre voiture qui me plaît ou bien que j'ai jamais utilisé par exemple, c'est moi-même qui la livre. Donc là par contre on a la chance d'être dans une session a priori qui est calme, pas autant de grabuge que la dernière fois. Tant mieux. Resort manager again. Look, I tried to explain this in your penthouse, but here it is. Alors par contre aussi c'est vrai qu'au niveau des croupiers, il y a certains croupiers qui sont plus durs que d'autres. C'est ça que j'ai remarqué. Hein. Notamment celui qui a un accent un peu, je sais pas quel type d'accent il a, mais c'est un accent un peu prononcé celui-là. Par contre, c'est le plus redoutable. Si vous l'entendez, normalement, il vaut mieux changer de table. Alors, par contre, avant d'aller dans la suite, je pense que je peux tourner la roue. Donc, on va prendre le temps de chargement. Je vais répéter parce que je vais couper le chargement, c'est trop long.
Alors, Donka, la voiture a gagné la Ford Escort numéro 64. Alors, je regarde déjà, évidemment, s'il y a le bonus quotidien, bonus de visiteur. Donc, celui-ci, il faut toujours le récupérer, c'est important. Et là, donc, bah, on dirait qu'on va voir si j'ai une chance sur. Une chance sur 20 de remporter la voiture. Voilà. J'ai déjà remporté des voitures 2 ou 3. Bon. On verra bien, une chance sur 20. On verra bien. Ah, c'est du direct. Hein. Je triche pas ou pas. Mais bon, là, je pense pas que je vais gagner. Ça va être de l'RP. Bon, ça, c'est le truc le moins agréable à gagner. Mais bon, c'est pas grave, je suis joueur. Hein. Faut... De toute façon, la roue de la fortune, on perd jamais, on gagne toujours des trucs. Soit de l'XP ou bien des vêtements ou des jetons, c'est toujours bon à prendre. Ah oui, donc là on va pas aller sur les tables VIP directement, on va aller pour changer dans la suite. Alors ce que je vais faire pour mettre un peu d'ambiance, puisque qu'on est tout seul dans la suite, c'est vrai que c'est moins festif que dans le casino, c'est silencieux. Donc ce que je vais faire, je vais organiser une fête, donc ça coûte 20 000 dollars. Et ensuite je vais aller sur la table personnelle. Bon, c'est pas grand chose par rapport à ce que je peux avoir en quelques... vente de véhicules. Alors, je vais faire une fête. C'est vrai que j'ai jamais fait de partie de poker pendant une fête que j'avais organisé, donc là ça va être un premier, une première. Tom Connors here. How can I help you, sir? Wonderful. We'll start with A-list drinks and take it from there. Voilà, donc elles ont apparu. Sont tous apparus dans la suite. Donc alors par contre c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de son. Alors j'ai augmenté le son, j'entends rien. On va augmenter un peu le son pour mettre un peu d'ambiance. Je sais pas si vous m'entendez toujours, mais voilà. Un petit tour vite fait quand même de la suite. Bon, il y a les jeux vidéo. C'est vrai que j'ai pas de salle de jeux vidéo aussi, à proprement parler. Mais bon, je peux pas faire tous les business, je suis tout seul. Je joue pas en équipe, moi je suis un lion solitaire. Je fais tout moi-même, de A à Z. Donc je peux pas tout faire. C'est comme les nouveaux contrats qu'il y a, les nouvelles missions. Bon, ça permet de débloquer certains trucs, mais je peux pas tout faire. Déjà, juste en faisant ce que j'ai à faire, ça prend beaucoup de temps. Donc voilà. Alors j'ai la chance, puisque là, c'est pas le croupier avec un accent chelou. Hello, sir. Good to have you. Get those bets in. Alors je vais faire la même tactique que tout à l'heure. Donc je vais miser une forte somme. Forte somme, façon de parler. Enfin, plus que d'habitude. Et on va bien voir si on a autant de chance que tout à l'heure. All bets are in. Let's get this started. Donc le but est de faire pas beaucoup de parties, mais de miser beaucoup.
Donc c'est à l'instar en fait. Donc là par contre j'ai pas eu un très bon jeu. Donc dans ce cas là je préfère me coucher. Je pense pas que... Enfin, ouais. Pas de chance. Mais comme on est parti dans cette optique là, faut toujours gagner, donc faut multiplier cette fois. Donc sur la partie de la dernière fois, j'ai vu de la chance du premier coup, mais là par contre ça a l'air d'être un peu plus corsé. Mais bon, c'est pas pour me déplaire, ouais. C'est une partie du jeu. Donc là j'ai un as. Alors pas de chance hein, les couleurs. Donc quand c'est comme ça, il y a deux réactions à avoir. Soit on pense que l'ordinateur va gagner encore, ou soit on veut prendre sa revanche et on mise plus que prévu pour pouvoir remporter la mise. Donc ça s'appelle un quitte ou double. Donc c'est très risqué de faire ça, mais ça peut rapporter gros. Donc là, comme bon, c'est que des jetons que j'ai gagné sans faire d'effort, donc on va tenter le coup. Hein. Qui tente rien n'a rien, comme on dit, mais bon, c'est une chance sur deux comme d'habitude. Donc je misais plus que prévu 40 000 et j'ai mis 3 000. Donc là si je gagne c'est en un coup, si je gagne j'arrête tout de suite. Par contre si je perds, bon bah c'est tant pis hein. Bets, please. Donc là j'ai une perte de 3. Donc même s'il y a un as, ça n'a pas peur, j'ai gagné. Alors on va bien voir. J'ai gagné. 166 000 jetons. Bon bah c'est... Je suis verni, hein, il n'y a pas d'autre mot. Bon bah sur ce, faut que je m'arrête tout de suite parce que quand c'est comme ça, il faut s'arrêter. J'ai pas triché, j'ai véritablement joué comme ça. Bon bah au revoir. You made out well. Thanks for playing. Ça mérite d'aller un petit coup dans le jacuzzi. On va descendre direct. To the weekend, I tell you. Sounds like a plan. What's up? Donc voilà les amis, on va s'arrêter ici. Donc c'était une très belle partie de poker. C'est peut-être la meilleure que j'ai faite, mais vous l'avez vu, faut juste avoir des fois un peu confiance en soi, bon, après de prendre des risques et ça peut payer. Voilà, sur ce je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à plus tard pour d'autres parties de GTA. A plus.